Yo tout le monde, c'est Flenac, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super bien. Et aujourd'hui, je vais faire un top 10 des villages les plus classes de Clash of Clans. Alors en numéro 10, nous avons ce village. C'est le visage de quelqu'un avec des cheveux qui montent vers le haut. Je l'ai mis en numéro 10 parce que on voit pas trop que c'est un visage de quelqu'un. Donc je l'ai mis en numéro 10. On passe au numéro. Au numéro 9, nous avons celui-là. C'est Pac-Man qui est en train de manger une petite boule, mais le fantôme va malheureusement le tuer. Bah, celui-là, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, donc je vais directement passer au numéro 8. Au numéro 8, nous avons celui-là. Alors, c'est un personnage un peu bizarre, comme sur les jeux de vidéo de l'époque. Donc je l'ai mis en numéro 8 parce que voilà, il est bien mais il est pas non plus super super. Nous passons au numéro 7. En numéro 7, nous avons celui-là, un village en cœur que je trouve super sympa et en plus il avait l'air vraiment très très fort, je pense. Parce que vu le level de toutes ses défenses, à mon avis, il marche bien. Alors là, on va passer au numéro 6. Au numéro 6, nous avons ce robot que je trouve super joli. Bon, après, on peut faire mieux en robot, mais je le trouve super joli. Donc, je l'ai mis en numéro 6. Passons au numéro 5. En numéro 5, nous avons ce personnage qui lance à moitié des boules de feu. Enfin, c'est des tours de sorcier, mais je trouve que c'était une très bonne idée. Et il est vraiment très bien représenté. Donc, je l'ai mis en numéro 5. Passons tout de suite au numéro 4. En numéro 4, nous avons le logo de Superman, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Il est lui aussi très bien fait, et je le trouvais assez sympa. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 4. Passons au numéro 3. Le numéro 3, c'est le fils d'Homer Simpson. Je le trouve assez sympa, même si c'est un peu risqué pour un HDV 10 de faire un village comme ça, parce qu'à mon avis, il n'est pas très très fort. Mais c'est quand même assez classe, assez cool. Passons tout de suite au numéro 2. Au numéro 2, nous avons cette marque d'Apple. La pomme, je l'adore, c'est pour ça que j'ai mis en numéro 2. C'était une super idée, jamais j'aurais pensé à faire ça. Donc, nous allons tout de suite passer au numéro 1, le top du top, c'est celui-là. Il est vraiment super beau, un dragon avec une tête bleue et un corps noir, mais c'est vraiment magnifique. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Et c'est vraiment waouh. Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un j'aime, ou encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao!